salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau summer vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va, je suis en pleine forme. Enfin, j'ai envie de vous dire, je vais vous expliquer ça tout de suite. On est donc mercredi, non pas du tout, on est jeudi 29, je dis n'importe quoi. On est donc jeudi 29 août et il est 13h31. Voilà, alors pourquoi je vous dis enfin réveillé, c'est parce que j'ai eu très dur à immerger ce matin. J'étais même de mauvaise humeur parce que j'ai passé une mauvaise nuit. Voilà, tout simplement. Il faisait chaud et il y avait de l'orage. J'ai été réveillé plusieurs fois parce que j'avais chaud. J'ai été réveillé une fois en sursaut parce qu'il y a eu le tonnerre, mais il est passé tout près. Hein. Peut-être pas sur la maison, mais... en face quoi, en face de la rue ou un truc comme ça, parce que waouh, c'est là qu'on sent la force de la nature. La maison a tremblé, le sol a tremblé et tout, franchement c'est pas passé loin. Donc j'ai été réveillé en sursaut, Pilou a eu peur de l'orage, donc Pilou est venu me réveiller, etc, enfin bref, une nuit de merde, autant le dire tout de suite. Donc ce matin j'ai eu beaucoup de mal à immerger, j'étais de mauvaise humeur, comme on est de mauvaise humeur quand on passe une mauvaise nuit. Donc voilà, mais là ça va mieux, mais je brûle les étapes, je vous ai pas parlé de hier soir je me suis mis à lire La Chambre des Murmures de Dean Koontz et je l'ai terminé. Voilà, les 444 pages sont passées, j'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, il y a de l'action, les chapitres sont super courts, on rentre dans l'art direct, l'héroïne qui s'appelle Jane Hawke, est vraiment badass, je l'adore. Maintenant, j'ai été un peu frustrée par la fin parce que j'étais persuadée que c'était une duologie et que donc on allait avoir toutes les réponses dans ce livre aussi. Et en fait, pas du tout. À mon avis, c'est une trilogie, donc j'ai pas eu les réponses. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Il y aura un troisième tome, et voilà, on lira le troisième tome. Le seul souci, c'est que quand vous pensez que c'est la fin, et que c'est le dernier tome, et que du coup, vous vous attendez à avoir les réponses et tout, et que vous arrivez à la fin, et que vous rendez compte que non, c'est pas le dernier tome, et donc du coup, vous n'avez pas les réponses que vous attendiez, vous êtes un petit peu frustré. Voilà, mais bon, on va être patient et on va attendre le troisième tome, mais en tout cas, je vous conseille cette duologie, enfin cette trilogie, du coup, le premier tome c'est Dark Web et le deuxième c'est La Chambre des Murmures. Je me suis donc aussi décidé sur une nouvelle lecture et j'ai décidé de lire Drive Me to Love de N.C. Bastian aux éditions Harlequin dans la collection EH, c'est donc une romance. On change complètement de format, parce que hier je me suis dit, tiens c'est drôle, j'enchaîne deux livres qui font 444 pages, mais regardez-moi un peu la différence de format entre les deux, quoi. Il y a une petite différence, n'est-ce pas? L'histoire de Drive Me to Love, apparemment c'est l'histoire de Noah et de Melissa. Noah est un sale gosse qui enchaîne les filles, comment est-ce qu'il dit ça, il enchaîne les filles aussi rapidement que les soirées, quoi. Enfin voilà, un vrai tombeur, etc. Tandis que Melissa est plus sérieuse et compagnie. Melissa ne veut absolument pas, ne veut pas de lui parce que c'est un étudiant ultra populaire qui enchaîne les filles comme les soirées, voilà. Et Noah, lui, au début, Melissa n'est pas du tout son genre, mais un beau jour, Noah décide qu'il a envie de mieux la connaître. Voilà. Et en plus de ça, Noah fait un truc illégal parce qu'il fait des courses de voitures dangereuses et stupides. Donc, de la romance dans toute sa splendeur, mais bon, vous savez que j'aime ça. Sinon, j'ai reçu une petite enveloppe ce matin, ça doit être un SP, ça vient des éditions Belfond. Je suis contente de voir une enveloppe Belfond parce que tout d'abord, je pense savoir ce que c'est et je suis trop contente de le recevoir. Et en plus, ça fait un petit moment que Belfond ne répond plus. Donc, je commençais à me poser des questions, à me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'ils m'en veulent? Est-ce qu'ils sont fâchés, etc. Mais bon, comme je reçois le livre, je suppose qu'ils ne sont pas fâchés. Et on va découvrir ça ensemble. C'est ça!
Trop cool! Il s'agit donc de liquide inflammable de Robert Brinza chez Bellefond, donc dans la collection noire. J'adore cette saga. Je pensais qu'il y avait les couvertures. Non. C'est le troisième tome de la saga avec. Comment s'appelle l'héroïne déjà? Erika Foster. Je vous conseille cette collection parce que moi j'aime vraiment beaucoup ces thrillers. Donc en fait c'est une trilogie sans être une trilogie dans le sens où on suit le même personnage dans chaque tome. Donc il y a un fil rouge, c'est le personnage, mais chaque enquête dans chaque roman, ce sont autonomes les unes des autres, quoi. Donc on peut très bien lire une enquête sans avoir lu les autres, etc. C'est juste que vous aurez pas l'histoire complète de l'héroïne. Le premier tome s'appelle Une fille sous la glace et il est sorti en format poche, donc je vous le conseille fortement. Et pour ceux qui connaissent déjà cette saga là et qui attendent ce nouveau tome avec impatience, eh bien il sort le 5 septembre 2019 et il est au prix de, donc il fait 416 pages. Et il est au prix de... Il n'y a pas le prix dessus. Ça doit être mis sur le livre. Le prix, il est à 19,90€. Toutes taxes comprises. Attends de l'avoir reçu. J'ai hâte de le lire. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup cette trilogie. Maintenant, c'était une duologie jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est une trilogie. Que dire d'autre? Le programme de ma journée est assez... est assez complet. J'ai perdu un peu de temps, enfin, c'est pas vraiment perdre du temps, mais l'ami Jérôme m'a téléphoné, donc on est resté une bonne heure quart, 1h20 au téléphone, donc voilà, j'ai pris du retard dans mon programme, mais c'est pas grave, ça faisait un bon gros moment qu'on n'avait plus parlé au téléphone comme ça, donc ça m'a fait plaisir. Du coup, là, je vais aller tourner une vidéo pour la semaine prochaine, ça sera ma pâle New Romance pour le festival, là. Ensuite, j'irai promener Pilou, et puis c'est atelier ménage, puisque je vous avais dit hein, dans le vlog précédent, aujourd'hui, je suis censé nettoyer les sols de la cuisine, du corridor, de la salle de bain, de la buanderie, des toilettes, etc., etc. Donc, on va faire ça. Ça va prendre du temps parce que il faut bouger les meubles, faut passer l'aspirateur et puis il faut nettoyer, etc. Donc voilà. J'ai commencé à monter le vlog numéro 17 aussi parce que j'ai prévu de le mettre en ligne demain, mais demain, j'aurai pas le temps de faire le montage, donc je dois le faire aujourd'hui. J'ai déjà monté 23 minutes, donc il me reste une quarantaine de minutes à monter. Je ferai ça au fur et à mesure, un petit peu toute la journée. Et puis, j'ai toujours Instagram, hein, que j'ai toujours pas fait, donc il faudrait bien avancer sur Insta. Donc, pas mal de choses à faire, on va essayer de se dépêcher, histoire de pas... de pas terminer tout ça à 20h au soir. Si je pouvais avoir fini tout ça... il est que l'heure. Il est 1h... il est déjà 2h moins 20. Hein. Disons 1h pour tourner la vidéo, promener Pilou et préparer tout ce qu'il faut pour nettoyer. 1h30 pour nettoyer. Donc ça fait 3h... ça fait 2h40, 3h40, 4h10... Et encore 1h pour faire le montage et Instagram, ça fait 5h10. Si je traîne pas, 5h30, c'est plié. Mais comme je suis du genre à toujours traîner, voilà. De toute façon, je vous tiens au courant et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est toujours jeudi et il est 19h48 déjà. Oui, 18h48. Et du coup, je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles de ma journée, mais elles sont pas très passionnantes. Quelle journée. Voilà. Le reste de ma nuit qui m'a suivi toute la journée, c'est-à-dire que une fois j'étais de mauvaise humeur, une fois j'étais fatigué, une fois j'étais de mauvaise humeur, une fois j'étais fatigué. Je crois que ça faisait longtemps que je ne soufflais pas autant pendant la journée. Toute la journée, ça a été. Mais j'étais plus de mauvaise humeur que fatigué, en fait. Il n'y a rien à faire, moi je suis quelqu'un, si j'ai pas ma nuit comme il me faut, le lendemain, je suis de mauvais poil.
Voilà. Donc, j'ai tourné la vidéo de la pâle romance là, pour le festival New Romance. Faudrait bien que je range les livres dans un coin, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai monté le vlog numéro 17 pour pouvoir le mettre en ligne demain. Demain, quand je me lève, priorité, ce sera de le mettre sur YouTube parce qu'il dure de nouveau 57 minutes. Donc, il faut peut-être pas tout de suite quand je me lève, mais en tout cas, vers 9h30, 10h au maximum, il faudra que je le mette à compiler sur YouTube. Parce que à partir de 11h30, j'ai plus accès à mon bureau, puisque demain, je nettoie le salon. Et vous savez, mon bureau est dans le salon, donc quand je nettoie, le PC doit être éteint. Donc il faudra que je pense à faire ça demain matin. J'ai fait les sols comme c'était prévu. Donc voilà, j'ai eu un problème avec l'aspirateur parce qu'à un moment, l'aspirateur s'est éteint. Pouf. En mode, Ludo, tu fais ce que tu veux, mais moi j'en ai ras le bol, donc j'arrête. Et moi j'étais là, mais non monsieur l'aspirateur, tu peux pas t'arrêter comme ça, non mais t'es un aspirateur, t'as pas le droit de t'arrêter comme ça, en mode je m'en fous. Donc j'ai chipoté un petit peu, il l'a redémarré. Quand je vais dire à mon père que j'ai eu un problème avec l'aspirateur, il va encore me dire, mais tu casses tout. Mais non, je ne casse pas tout, c'est l'aspirateur, il a décidé, pof, voilà, j'arrête, démerde-toi Ludo. Donc, j'ai quand même su aspirer, j'ai nettoyé, j'ai fait des petites Instastories pour dire aux gens que je revenais lundi. Je trouvais ça marrant parce que j'ai vu des pubs à la télé avec les animateurs qui disaient l'émission revient la semaine prochaine et machin bidule. Et je me dis, ah bah oui, la semaine prochaine c'est la rentrée, donc j'ai fait des petites stories en mode je reviens en story la semaine prochaine. En plus j'ai un livre à faire gagner, donc j'ai dit je reviens la semaine prochaine avec ma bonne humeur et j'aurai un livre à faire gagner et tout. C'était bien marrant, j'ai discuté avec pas mal de monde sur Insta et compagnie. Et donc voilà, là je viens de regarder l'émission C'est dans l'air, je vous en ai déjà parlé pas plus tard qu'hier par exemple. Et vous voyez, hier je vous parlais de ces imbéciles qui nous gouvernaient, hein, les idiots du village qui sont à la tête de gouvernement. Ben, aujourd'hui l'émission C'est dans l'air, c'était sur Boris Johnson en Angleterre. Et alors lui, hein, dans le palmarès des mecs, j'en ai rien à foutre de mon pays, tout ce qui compte c'est moi et mon pouvoir, on est là, hein. Là, hein. Même là, hein. Parce que bon, si vous n'êtes pas au courant, en fait Boris Johnson a décidé de suspendre le Parlement, voilà, rien que ça. Donc on rappelle quand même que Boris Johnson c'est un type qui n'est pas élu, il a juste été choisi par son parti pour être Premier ministre, mais il n'est pas élu, hein, Premier ministre. Et il décide de suspendre le Parlement. On rappelle quand même que le Parlement, c'est un ensemble de personnes qui ont été élues pour représenter le peuple. Donc on a un type pas élu, qui est Premier ministre, qui décide de suspendre les types qui sont élus. Et tout va bien. Voilà comment tourne le monde. L'Angleterre va sortir sans accord. Bon, ouais, les Anglais vont en pâtir. Les Européens vont en pâtir. Moi, je m'en fous. Ça va me permettre de faire de nouvelles élections, d'être élu et de pouvoir être Premier ministre pendant 5 ans. Le reste, après moi, le déluge, hein, je vous le dis. Enfin, bref, ça, je vous saoule peut-être avec ça. Vous allez peut-être vous dire, Ludo, on s'en tape et tout ça, mais moi, ça me laisse sur le pépette. Voilà. Et ça m'énerve aussi. Enfin, c'est des trucs, ça m'énerve. Comment on peut en arriver là? Comment on peut être aussi bas, aussi vil, aussi... Enfin, bref. Voilà. Alors, maintenant, le programme, on va se mettre en mode soirée. C'est-à-dire que je vais ranger, remettre les meubles comme avant, hein. Puisque tout est bien sec, et puis ça sera l'heure de la douche, et puis ça sera coucou je panier, et je pourrai commencer mon livre Drive Me to Love. Voilà, voilà les amis, comme ça je vous ai tenu au courant, et du coup je vous retrouve certainement demain. À tout de suite, à demain. Et salut les amis, je vous retrouve, on est vendredi 30 août, et il est très exactement 13h, voilà.
Eh bien, je vous retrouve pour continuer ce petit vlog et j'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai pas été très productif hier soir et ce matin. Voilà, pour vous dire toute la vérité, j'ai fait que glander. Hier soir, je n'ai rien foutu. Voilà, mon père est rentré, j'ai discuté avec mon père, j'ai pas mal joué avec Pilou. J'ai regardé la vidéo de Jess puisqu'elle a sorti une vidéo de speed coloring, mais pas complètement, sur sa page de présentation pour l'agenda 2020. Elle a fait une page de présentation juste sublime. C'est de la bombe. Je suis tombé amoureux de sa page de présentation. Du coup, il faudrait bien que moi... J'aimerais bien essayer aussi d'inventer un truc à moi, mais j'avoue que je sèche complètement, même si... Bah, j'ai le temps, hein, parce que moi, je la ferai qu'au mois de décembre, mais pour le moment, je sèche complètement et je sais pas du tout ce que je ferai. Et après, j'ai voulu commencer Drive Me to Love, mais j'avais pas envie de lire, donc j'ai lu 24 pages. Wouhou! j'ai lu 24 pages qui m'ont plu, qui m'ont plutôt plu. Mais bon, c'est difficile quand même de se faire un avis sur 24 pages. Pour le moment, on ne sait presque rien si ce n'est un truc sur le personnage de Noah, puisqu'il lui arrive un truc assez terrible. On voit comme... le nez au milieu du visage, on voit déjà le truc venir du « Oui, je suis un sale gosse, mais j'ai pas eu la vie facile, machin bidule. » On le voit arriver d'ici. Du coup, j'ai arrêté de lire et j'ai passé la soirée sur YouTube. C'est pas une surprise. J'ai regardé un peu de vidéos par-ci, par-là, et puis je suis tombé sur les vidéos de Doc Seven. Qui faisait des vidéos où il présentait les différents états des États-Unis. C'était vachement bien fait et vachement intéressant, donc j'ai regardé ça. Par contre, il y en a qui n'ont pas la main légère sur les pubs, parce que Doc Seven, les pubs... hein? Voilà, voilà. Voilà, ma soirée d'hier s'est terminée comme ça. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt, j'ai eu le réflexe de mettre le vlog en ligne directement. J'ai bien fait parce que je l'ai mis en ligne, je l'ai mis en route à 8h30 et il est 13h, il vient d'être mis en ligne. Donc j'ai bien fait de le mettre directement. Et ensuite, voilà, rien de spécial, j'ai été faire les courses et j'ai rangé un peu la cuisine et compagnie. Et j'ai trouvé un nouveau jeu sur la tablette, donc j'ai joué au jeu sur la tablette. Voilà, voilà. Là, il est 13h et le programme est plutôt simple, c'est nettoyer le salon et la salle à manger. Donc mon bureau, vous savez bien que mon bureau, c'est ma table de salle à manger. Pendant que ça séchera, je me raserai la barbe parce qu'il est plus ou moins temps, je pense. Et après, j'ai prévu de descendre en ville. Je vais aller promener un petit peu. J'ai quelques trucs à acheter. Des petits trucs, hein, notamment des nouvelles pantoufles. Il faut que je trouve une nouvelle manique pour la cuisine parce que l'ancienne était tellement usée que j'ai dû l'acheter. Et j'en profiterai pour aller faire un petit tour au magasin d'occasion de DVD pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Je me dis que ça fait quelques semaines que j'ai plus été. Je me demande si j'ai été pendant l'été. Je pense que j'ai pas été pendant l'été, donc je me dis qu'il y aura peut-être des nouveaux trucs par rapport à la dernière fois. Et puis normalement je rejoins mon père en ville et on va boire un petit coup. Voilà, voilà le programme. Donc c'est d'abord le travail, le truc bien chiant, c'est-à-dire de nettoyer avant la relax et les trucs chouettes comme aller promener. Donc du coup, je vous laisse et je vais faire tout ça tranquillement à mon aise. Hey les amis, je vous retrouve, on est toujours vendredi et il est 21h. Voilà, le temps a passé, hein, n'est-ce pas? Je vous ai pas repris avant tout simplement parce que j'avais pas grand-chose à vous raconter. J'ai passé une très grande partie de la journée à jouer au jeu sur la tablette. Je vous l'ai dit l'autre fois.
Quand je trouve un jeu qui me plaît, j'y joue des heures et des heures pendant les premières journées et après j'y joue plus du tout. Donc bah là, comme j'ai trouvé un nouveau jeu, bah j'arrête pas d'y jouer. J'ai nettoyé le salon et la salle à manger comme prévu. Je suis descendu en ville comme prévu. J'ai fait quelques achats et je vais vous montrer ça juste après. Après, on a été boire un verre avec mon père. Mon père m'a dit, oh, bah, si on allait manger un peu un petit bout. Et on a été manger un petit bout. Pas vraiment dans un resto, mais comment on appelle ça, une sorte de taverne, vous savez, où vous avez des spaghettis à 10 euros, des omelettes et des trucs comme ça. Donc on a été manger un petit bout et c'était bien bon. On vient de rentrer et du coup, bah, je vous reprends pour vous montrer mes petits achats. Voilà, à part ça, pas grand-chose à vous raconter. J'ai avancé un tout petit peu dans le... Dans mon roman, là, Drive Me to Love, c'est plutôt pas mal, mais j'ai avancé de quoi? De 10-15 pages, donc voilà, je dois être à 40 à tout casser, donc c'est encore un peu tôt pour vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, on voit bien que l'homme est le genre très, très obstiné. Voilà, il essaye de décrocher des rendez-vous avec Mélissa, l'héroïne. Mélissa ne veut pas, en grande partie parce que Mélissa ne veut même pas donner une chance à Noah, parce que pour Mélissa, Noah est le type, l'archétype du beau gosse, tombeur, qui n'arrête pas de faire chip-chip avec les filles, toutes les 2 minutes. Sauf que Noah, a bien décidé de faire connaissance avec Mélissa, donc il fait rien de vraiment méchant, mais il a toutes les petites astuces pour peut-être pas être tout seul avec Mélissa, parce que ça il a pas encore réussi, mais comme Mélissa dit non, bah il propose à ses amis, et comme tous ses amis sont partants, bah Mélissa n'a pas le choix que de suivre ses amis, et du coup bah voilà, il arrive à avoir Mélissa comme ça, sauf que bah oui, c'est bien beau, mais c'est pas Mélissa tout seul, il y a toujours un groupe d'amis derrière, donc il n'arrive pas à faire tout ce qu'il veut. Voilà, bref, je pense qu'il est temps de vous montrer mes petits achats. Pour commencer, je me suis racheté une nouvelle paire de pantoufles parce que les pantoufles que j'avais commençaient à tomber en ruine, donc voilà, j'ai trouvé mes nouvelles petites pantoufles. J'ai pris du 41, j'espère que ça ira. Moi normalement je fais du 39, mais bon, il n'y avait pas ma taille, et à chaque fois que j'achète ces pantoufles, des pantoufles, j'achète celles-là. Elles valent pas cher, du coup je dois aller en racheter souvent, parce que bon, ça, à mon avis, comme c'est pas cher, c'est 6 euros, donc à mon avis, comme ce n'est que 6 euros, c'est pas de la qualité ultra, ultra. Mon père en a qui l'a payé 25 euros, ça fait 3 ans qu'il les a, et elles ont pas encore cassé. Mais je m'obstine à acheter celles-là tout simplement parce qu'elles sont ultra, ultra, ultra confortables et chaudes, et je n'aime que celles-là. Il n'y a que dans celles-là que je me sens bien. Ensuite, j'ai acheté deux petits trucs pour mon père. Tout d'abord, je lui ai acheté un petit t-shirt. Je le trouvais joli, du coup, je lui ai pris. Voilà. Surtout que mon père adore les t-shirts avec des cols comme ça. Donc voilà, dès que je l'ai vu, j'ai dit, oh, ça va faire plaisir à mon père. Du coup, je lui ai pris ça. Je lui ai repris je sais pas comment on appelle ça, des Marcel. Parce que mon père adore mettre des Marcel en dessous de ses t-shirts. Voilà, il dit qu'il aime mieux comme ça. Donc je lui ai repris ça. J'ai pris des petits gants. Au début, il me fallait juste la manique comme ça, parce que je vous avais dit, mon ancienne manique n'allait plus. Elle était complètement foutue, donc je l'ai pris. Elle est un peu trop grande, mais bon, voilà, c'est la seule qu'il y avait. Et il y avait une manique comme ça avec. Donc ça m'a coûté 4 euros pour les deux. Même si ça tient pas trop longtemps, ça ira. Et après, je me suis acheté des trucs beaucoup moins fonctionnels, hein. On est passé au rayon divertissement. Je me suis pris le DVD de After. Vous savez, le film qui est adapté du
du livre. Au début, j'avais pas du tout l'intention d'acheter ce film, même pas de le regarder. Mais je suis passé dans le rayon et j'ai eu une envie subite. Voilà. Vous savez, j'aime la romance. En plus, bon, bah, c'est vrai que j'ai lu les livres. Je les ai pas tous lus, mais je pense que j'ai lu les trois premiers. J'ai tenu le coup jusqu'au 3. Après, j'en pouvais plus toucher. Donc, j'ai laissé tomber. Mais bon, comme j'ai lu le premier. C'est vrai que finalement, je suis assez curieux de voir l'adaptation, même si je ne suis pas du tout convaincu par les acteurs. Enfin, le type, on dirait qu'il sort de primaire, quoi. Donc, bon, hein, voilà. Mais bon, j'aime bien la romance. Ça dure combien? Ça dure 1h40, c'est ça? Bah ouais, 102 minutes, 1h42. Et bah voilà, je me suis dit, un chouette film de romance qui dure 1h40, ça fera du bien. Et bah je vous dis, j'ai eu une envie subite quand je l'ai lu, et je me demande si je ne le lirai pas, si je ne le regarderai pas ce soir. Voilà, j'ai très envie de le regarder. J'ai été assez raisonnable niveau DVD parce que j'étais très 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 tenté. Il y avait le film Let's Dance avec Ryan Bensetti que j'ai très envie de voir. Mais je me suis dit ça sera pour une prochaine, et j'avais vu le DVD d'Avengers Endgame. Moi, vous savez que je fais la collection des DVD de super-héros, sauf que bah, Avengers il était encore à 20 €, normal puisqu'il vient de sortir, et je me suis dit bah je vais pas aller donner 20 € pour un film que j'ai déjà vu au cinéma. Quand je les ai pas vus au cinéma, ça me dérange pas tant que ça, mais quand je l'ai déjà vu, autant attendre qu'ils descendent à 7-8 €, quoi. Et enfin, je suis passé au DVD d'occasion, parce que dans ma ville, j'ai un Cash Converters. Et je me suis trouvé l'intégrale de la saison 1 de Brothers and Sisters. Je connais pas du tout la série, je l'ai jamais vue, etc. Mais ça fait un moment que j'ai envie de la découvrir. Parce que l'ami Jérôme, vous connaissez l'ami Jérôme, hein, j'arrête pas de vous en parler, est très fan de la série. Je pense que c'est une de ces petites séries chouchoutes de des années, je sais pas de quand elle date, mais des débuts des années 2000. Et je sais qu'il a adoré cette série-là, donc je suis très curieux de découvrir. Parce que je suppose que c'est comme tout le monde, hein, quand un de ses meilleurs amis adore quelque chose, bah forcément on est curieux de le découvrir. Je n'avais jamais eu l'occasion de découvrir, mais là j'ai trouvé la première saison à 4 €. Je me suis dit franchement 4 € ça vaut la peine, et c'est le moment de la découvrir. Je pense que je regarderai un ou deux épisodes assez rapidement, parce que j'ai vu dans le magasin qu'il y avait la saison 2, 3 et 4. Et donc si j'aime bien, bah, j'irai acheter les saisons d'après. J'aurais pu prendre les 4 saisons d'un coup, mais vous savez que moi, je n'aime pas acheter plusieurs saisons. C'est comme acheter plusieurs tomes d'affilée dans des livres ou quoi avant d'avoir lu le 1. Ça m'arrive jamais, presque jamais. Ça m'arrive parfois avec le Hugo, mais bon, Hugo, je prends pas trop de risques parce qu'en général les Hugo ça passe crème avec moi, mais j'achète très rarement les saisons 2, 3, 4, 5, etc. ainsi que les tomes parce que non, je n'aime pas dépenser de l'argent pour quelque chose que je ne suis pas sûr d'aimer. Enfin, dépenser de l'argent sans être sûr qu'on aime, c'est forcément le cas quand vous achetez une saison 1, mais voilà. T'achètes la saison 1, tu dépenses déjà de l'argent sans savoir ce que tu vas aimer. C'est bon, arrête les frais là, ça sert à rien d'acheter les 5 saisons. Et après tu regardes 2 épisodes et t'aimes pas. Hein? Voilà. C'est ma façon de penser. Je sais que d'autres ne fonctionnent pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Tant que j'ai pas vu et tant que je suis pas sûr d'aimer, je n'achète pas la suite. Après, voilà. Je le regretterai peut-être parce que quand j'irai chercher les saisons 2, 3 et 4, il y aura peut-être encore la 3 et la 4, il n'y aura peut-être plus la 2 et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, je me dis que c'est le destin. Voilà. Bref, bah voilà, je vous avais à peu près tout de mon après-midi. Elle n'a pas été... passionnante, elle l'a été parce que c'est toujours chouette de faire les courses, mais bon. Tout le monde fait des courses, quoi. C'est pas un truc exceptionnel. Mais je suis content de tous mes petits achats. Je me suis fait plaisir. J'ai fait plaisir à papa. Je me suis acheté des trucs... pas obligatoires, mais nécessaires. Donc, voilà. C'est une chouette...
c'est du bon shopping, comme dirait l'autre. Là, je vais vous laisser. Il est déjà 21h, hein, je vous l'avais dit, il est 21h11 même. Je vais vite aller me doucher. Parce qu'il faut se doucher. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, je vais aller me toucher, puis ça va être coucou Chepanier. Je crois que je vais lire une heure ou deux, ça dépendra de si je suis bien dedans ou pas. Drive Me to Love, en mettant un ou deux épisodes de 24 heures chrono en bruit de fond. Et vers 10h, 10h30, je regarderai peut-être bien After, mais on verra bien. Voilà les amis. Du coup, je vous laisse là et je vous retrouve demain. Voilà. Je vous raconterai ma soirée demain. À demain, à tout de suite. Hey les amis, je vous retrouve, on est samedi 31 août 2019, il est 13h35 et c'est l'avant-dernier jour où je vlog. Demain, c'est fini. Eh oui, ça se rapproche. Mais avant de penser à ça, on va encore profiter du temps qu'il nous reste. Tout d'abord, ma soirée d'hier, eh bien, elle a été assez conforme à ce que je vous ai dit. J'ai d'abord lu un petit peu, mais pas grand-chose, parce que j'étais pas vraiment dedans, j'avais pas plus envie que ça. Du coup, j'ai dû lire peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure, un truc comme ça. Voyant que je n'étais pas à fond dedans, j'ai reposé le livre. Je me suis dit, ça sert à rien de se forcer, et comme prévu, j'ai regardé le film After. Voilà. Bon, allez, il faut pas être mauvaise langue, j'ai passé un bon moment. C'était pas ouf, c'était pas extraordinaire, c'était pas giga méga génial, mais bon, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je suis pas du tout convaincu, j'ai pas trouvé qu'il y avait de moments vraiment choupi. Les moments qui sont censés être choupi, je les ai trouvés pas naturels du tout. J'ai trouvé ça assez lent, pas assez de rythme, pas assez de... même les côtés thriller un peu psychologiques qu'il y a dans le livre, on les retrouve pas dans le film. Et puis, moi, j'ai un problème avec les acteurs, c'est que on dirait qu'ils sont sortis de la maternelle. Je suis désolé, mais que ça soit le type ou la fille... Je l'ai dit sur Twitter, on m'a dit « Oui, mais ils ont 17 ans, c'est l'âge qu'ils ont dans le livre, c'est parce qu'on a l'habitude dans les séries de voir des gosses... » De voir des mecs de 25 ans jouer des ados de 16 ans. Oui, d'accord, mais même 16 ans, le type, il fait pas 16 ans, quoi. Je suis désolé, mais regardez-moi sa tête. On dirait qu'il en a 14. Je sais pas. Et puis, ils sont charismatiques, pardon, mais... Hein? Voilà. Donc, j'ai pas été supra-méga convaincu. Maintenant, bon, je regrette pas forcément... de l'avoir acheté, de l'avoir regardé. J'ai passé un bon moment, c'est une petite histoire d'amour, sans plus, mais bon, côté histoire d'amour et comédie romantique, il y en a des dizaines de meilleurs. Voilà, est-ce que je regarderai le deuxième? Peut-être bien, mais le deuxième, je ne l'achèterai certainement pas tout de suite quand il sort à 15€, mais j'attendrai qu'il soit à 7 ou 8€. Et après ça, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer Brothers and Sisters. Vous savez, j'avais acheté la saison 1 hier. J'ai regardé le premier épisode et j'ai plutôt bien aimé. Je vais pas me faire un avis sur la série après un seul épisode, hein. Je vais encore en regarder 2 ou 3. Notamment avant de penser à aller acheter les saisons suivantes. Mais j'ai plutôt bien aimé. Le côté familial est assez sympa parce qu'en fait, c'est une... C'est toute une famille, c'est la famille Walker, et ils sont éloignés les uns des autres, enfin ils habitent tous un peu partout, mais celle qui habite surtout loin, c'est Cathy, il me semble, ou Katie, qui habite assez loin, et elle vient retrouver sa famille à l'occasion de son anniversaire, et... Ils ont tous des anicroches entre eux. Cathy dérange beaucoup à cause de ses pensées politiques. D'ailleurs, elle me dérange à cause de ses pensées politiques aussi. Et ses pensées politiques passent assez mal.
Alors que, bon, elle est conservatrice, mais tout, apparemment la famille est conservatrice, parce que, si j'ai bien compris, le père partage assez bien ses pensées, etc. Mais ça pose problème à la mère, et puis au fur et à mesure, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est ce qui semble se profiler. On va se rendre compte qu'ils ont tous des petits secrets, etc. Donc c'était bien sympa. Maintenant, le personnage de Cathy m'a posé un peu problème parce que elle est tout ce que je déteste. Voilà. Moi, les familles conservatrices, j'ai un peu de mal. Le discours, il faut fermer les frontières, mettre les immigrés dehors, le discours America First et compagnie. Moi, c'est des discours qui me hérissent le poil. Voilà, hein, parce que penser que tous les problèmes viennent de l'immigration, ça et être populiste et dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est pareil, hein, parce que l'immigration n'est pas la base de tous les problèmes. Je vous le dis. Penser qu'il faut penser à notre pays avant les autres, c'est se mettre le doigt dans l'œil, parce qu'un pays tout seul ne peut pas s'en sortir. Il faut arrêter de faire croire ce genre de truc. Non. Le monde est interconnecté et on a beau dire on veut faire les choses à notre place, tout seul, il faut arrêter de croire que c'est possible. Non, c'est pas possible, les gars, il va falloir vous faire une raison. Et dire le contraire, ça s'appelle être populiste. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de la politique. J'ai l'impression que dans ces deux derniers vlogs-là, j'ai fait pas mal de politique. Hein. Bref. Donc voilà, j'aime plutôt bien. Maintenant, je testerai quelques épisodes de plus. Après ça, ça a été coucouche. Ce matin, je me suis levé, j'ai perdu pas mal de temps sur la petite tablette à jouer au jeu du solitaire. Et après, j'ai continué ma petite lecture de Drive Me to Love. J'ai avancé un petit peu. Je suis page 176. Donc, bah, je peux vous en parler un petit peu plus. J'aime beaucoup le jeu du chat et de la souris parce que, comme dans toutes les romances, on sent dès les premières pages qu'elle est amoureuse de lui et que lui est amoureuse d'elle. Seulement lui, il est dans l'archétype du type oui, non, je vais la séduire, je vais la faire tomber amoureuse de moi, je vais la baiser et après je vais l'acheter. Pardonnez mon langage, mais c'est ce qu'il dit dans le livre, hein, voilà. Alors qu'on sait tous qu'il va finir par ramper à ses pieds. Et la fille, on sait très bien qu'elle est amoureuse de lui, mais c'est non, mais il est dangereux, j'ai pas le droit de tomber amoureuse de lui, je vais le regretter, machin, bidule. Voilà, on est clairement dans ce schéma-là. Pour le moment, ça passe plutôt bien. Il faudrait pas que ça traîne comme ça pendant encore 200 pages. Et puis je le sens venir comme au milieu du, comme le nez au milieu du visage. Qui va se comporter comme un con? Qu'elle va donc le laisser tomber? Qui va regretter? Qui va ramper à ses pieds pour la récupérer, etc. On le voit venir. Oui, non, c'est les clichés de la romance. En général, ça me dérange pas. Et je sais pas ici, enfin c'est pas que ça me dérange, hein, je passe un très bon moment et franchement j'ai envie de continuer, mais ici je sais pas, j'ai l'impression qu'on voit le schéma arriver encore plus clairement que dans les autres romances. Alors bon, en général on sait déjà que ça va arriver, mais on sait pas comment, pourquoi, etc. Ici, j'ai l'impression qu'on voit tout arriver à l'avance. Donc, bon, bah, j'espère me tromper. Et j'espère que finalement, je serai étonné. Je vous dirai ça quand je l'aurai lu, même si je ne sais pas si je l'aurai fini ce week-end-ci. Mais si je ne l'ai pas fini avant la fin du vlog, il faudra venir me suivre sur Instagram pour savoir. Sinon, j'ai mis en ordre mes petits carnets. Puisque bah, c'est la fin du mois. Donc voilà, j'ai mis en ordre mes carnets. Là, c'est ce que j'ai lu ce week-end-ci. Donc j'ai clôturé, j'ai lu 10 livres et 4535 pages. Le book haul, ben, il est encore assez sage. Hein, 10 petits trucs en plus ce mois-ci. Et alors, j'ai préparé les pages pour septembre avec les pages où je note mes lectures, les pages où je note le book haul et les pages pour le mois de la BD, puisque au mois de septembre, c'est le mois de la BD. Et alors, j'ai mis en ordre mon carnet de séries. Mais ben, séries, ce mois-ci, c'est de nouveau la petite catastrophe, puisque je n'ai vu que 17 épisodes. Voilà, niveau séries, je ne suis pas à fond en ce moment. Voilà, tout ça nous amène, il est 2h moins 10. Là, je vais vite aller tourner le book haul du mois d'août, puisque ben, on est le dernier jour
et je n'achèterai pas de livres aujourd'hui et j'en recevrai pas par courrier aujourd'hui. Donc je vais pouvoir tourner le book haul. C'est un petit tournage qui devrait durer un quart d'heure, hein, puisque j'ai 10 choses à vous présenter. Ça va pas durer, ça va pas durer une éternité. Après, on ira promener Pilou. Tout ça nous conduira tout doucement à l'heure d'aller faire les courses. Et puis, normalement, oh là là. Quand je bafouille comme ça, c'est parce que j'hésite entre dire normalement, on descend boire un verre, mon père et moi, ou de dire normalement, mon père et moi, on descend boire un verre tout à l'heure. Alors que ça revient au même, hein. Voilà. Normalement, on descend boire un verre entre père et fils, à son aise, tranquillou, détendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, j'avais très envie aussi de commencer un coloriage dans le livre Harry Potter, là. Mais je n'aurai sûrement pas le temps de m'y mettre tranquillement et sérieusement avant qu'on descende, boire un verre. Donc, soit je ferai ça demain, ou soit je ferai ça au soir après avoir dîné. On verra bien. Ça tombe d'ici tantôt, j'aurai plus envie de colorier. Donc, on verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. Oui, les amis, je vous retrouve. On est toujours samedi. Il est 18h20, tout pile. Et je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles de ma journée. Rien ne vous étonnera puisque j'ai fait tout ce que je vous avais dit que j'allais faire. J'ai tourné le book haul qui sera très court. Je pense qu'on est à 10, 11, 12 minutes, un truc comme ça. Donc, bah voilà, deux book hauls très courts d'affilée. Ça ne me ressemble pas, mais tant mieux, hein, ça fait du bien à la palle. J'ai mis en ordre mes carnets, mais ça, vous le savez, je vous l'avais déjà montré, je l'avais fait avant de tourner tout à l'heure. J'ai promené Pilou, on a été faire les courses. Finalement, on n'est pas descendu en ville. Mon père m'a dit, moi, j'ai pas envie, donc on est resté. Finalement, c'était pas plus mal pour moi, parce que ça m'a permis de pouvoir colorier. Comme j'en avais envie. Donc, j'ai colorié, je m'y suis mis à 4h30, il est 6h20, donc j'ai presque colorié 2h. Et, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai essayé de bien m'appliquer. Je me suis lancé dans le livre Harry Potter, vous savez, les livres que je vous disais que je trouvais trop compliqués pour moi. Et je vous confirme que c'est pas de la tarte, hein, voilà. Mais je me suis lancé, je me suis dit, allez, vaille que vaille, après tout, c'est pour ça que l'ami Marion me les a offerts, c'est pour que je puisse m'y essayer sans avoir peur, et du coup, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Le livre, c'est celui-là, hein, vous vous rappelez, c'est sur les créatures magiques dans l'univers d'Harry Potter, et j'ai décidé de me lancer dans la scène du troll quand Hermione est aux toilettes et que Harry et Ron viennent les sauver. Et j'ai commencé à faire le plafond. Voilà. Donc là, j'ai fait comme si c'était du bois. Je pense que ce n'est pas fidèle parce que je pense que dans Harry Potter, il n'y a pas de bois. Mais j'avais pas vraiment le choix parce que j'allais pas faire tout le dessin en gris verdâtre, comme ça, ça n'aurait pas été beau, il n'y aurait pas eu de couleur, rien du tout. Donc j'ai décidé qu'il y aurait du bois, j'ai essayé de faire ça assez lumineux, etc. Et alors les poutres, je les ai fait en un mélange de jaune avec de la couleur rouille, avec un peu de noir, etc. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait très joli. Donc je suis plutôt content de moi, j'ai réussi à faire des effets, à faire des ombres, des endroits plus clairs et compagnie, donc je suis plutôt content. Et voilà, je ne sais pas si vous trouvez ça joli, mais moi je suis content de moi, donc c'est le principal je trouve. Et donc là les murs ici, je les ferai en gris verdâtre, à mon aise, voilà voilà. Je vais arrêter de colorier, je vais aller cuisiner. Ce soir, c'est du poisson pané avec du jus de citron, de la purée et de la sauce au poisson. Voilà. Donc, je vais aller préparer ça à mon aise et puis on va manger. Parce que le préparer sans manger après, c'est un petit peu con.
Et je crois pas que je colorierai encore aujourd'hui. Je pense que 2 heures, c'est déjà pas mal. Je pense qu'après le dîner, j'irai tout de suite me doucher et compagnie. Et après, je m'installerai pour lire. J'ai envie d'avancer un peu dans Drive Me to Love, là. Et puis, je verrai bien. Ça tombe, je lirai toute la soirée. Ça tombe, je passerai du temps sur la tablette. Ça tombe, je regarderai un petit peu Brother and Sisters. Ça tombe, je regarderai un peu 24. Ça tombe, je regarderai NCIS. Ça tombe, je m'endormirai. Enfin, bref. Je vous tiendrai au courant demain de toute façon. Voilà, voilà, les amis. Allez, bah, je vous retrouve un peu plus tard, du coup. Et les amis, je vous retrouve. On est dimanche 1er septembre 2019. Déjà, il est déjà 12h. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop triste. C'est le dernier jour où je vlog, c'est le dernier moment, c'est la dernière ligne droite de ces summer vlogs. On va pas être triste tout de suite, n'est-ce pas? Je vous avoue que moi, ça va me faire bizarre aussi, puisque j'avais pris l'habitude, mais toutes bonnes choses ont une fin, et donc ça se termine aujourd'hui de toute façon. Venez me suivre sur Instagram, à partir de demain, je fais Insta. Et les stories sur Insta, bah, c'est à peu près des vlogs, hein. Voilà, hein. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous aimez bien me suivre au quotidien comme ça. Alors, d'abord, ma soirée d'hier, rien d'exceptionnel hier soir. J'ai beaucoup joué à la tablette. Voilà, hein, je suis en plein dans la période, je perds mon temps à jouer sur la tablette. Donc j'ai joué jusqu'à, je sais pas, il devait être 10h, 10h30, même presque 11h. Donc j'ai joué à la tablette et après, j'ai continué Drive Me to Love de N.C. Bastian. Je suis arrivé page 293, donc j'ai bien avancé, il me reste un petit 150 pages, un truc comme ça. J'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait qu'il y ait... le petit danger, alors on n'est pas surpris comme je vous disais hier, hein, on voit tout de suite bien le danger et compagnie. Là où je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas encore eu de rupture, alors que j'étais persuadé qu'il y aurait une rupture. Il y a Pilou qui vient dire bonjour. Bonjour Pilou, que fais là? Qu'est-ce que tu fais là mon Lili? Oui, oui, tu viens dire bonjour mon cher Kim, oui. Oh là là. Donc on voit d'où vient le danger, mais il n'y a pas de rupture, alors que j'étais persuadée qu'il y en aurait une depuis bien longtemps. Mais écoutez, tant mieux, puisque c'est un des trucs que je déteste le plus dans les romances. Ce qui me dérange un petit peu, ça n'avait pas tilté au début. Ce qui me dérange un petit peu, c'est que Noah ne respecte pas les envies de Mélissa. Dans le sens où... Alors, au début, je peux comprendre quand la fille... Comment expliquer ça? Enfin, dans le sens qu'au début, je comprenais un petit peu parce que Mélissa était réticente, parce qu'elle ne l'aime pas et compagnie, mais surtout parce qu'elle gardait une distance. Et donc, je pouvais comprendre que Noah... persévérer un petit peu parce que il voulait avoir une chance de la séduire et compagnie. Là, je trouve que ça va un peu trop loin. Mélissa lui dit non, j'ai pas envie de ça. Et il continue à insister jusque tant que Mélissa dise oui. Par exemple, il veut qu'ils fassent du saut à l'élastique ensemble. Mélissa lui dit non, c'est hors de question, j'ai peur, c'est une de mes phobies, je ne le ferai pas et compagnie. Et Noah n'arrête pas de la relancer jusqu'à ce qu'il dise oui, et il va jusqu'à, tu sais, l'exciter, l'émoustiller au plein milieu d'un cours et compagnie, en lui disant, bah, si tu veux que j'arrête, t'as qu'à dire oui. Là, je trouve que ça va un peu trop loin. Voilà, être en couple, je pense que c'est aussi respecter les envies de chacun, et si elle n'a pas envie de faire du saut à l'élastique, bah, elle n'a pas envie, voilà. Que tu insistes un petit peu en mode allez, on vient, on le fait, compagnie. D'accord, mais de là à insister à jouer, à l'émoustiller au plein milieu d'un cours et compagnie pour qu'elle dise oui, je trouve que ça va un peu trop loin. Voilà. Sinon, à part ça, ça va. Voilà. Mais c'est vrai que cette scène-là m'a marqué. D'abord, je trouvais qu'il était lourd à toujours insister, elle dit non, elle dit non.
Mais en plus, jouer sur le fait je te caresse en cours et le prof nous voit et si t'as envie que j'arrête et ne pas te taper la honte devant toute la classe, ben t'as qu'à dire oui. Là, ça allait trop loin et ça m'a un petit peu... Et oh, on va se calmer, hein, Noah, parce que t'es pas loin des limites. Je me demande même si tu les as pas un peu franchies. Bref! Donc, bah, j'ai lu ça jusqu'à... Bah, il était un peu plus d'une heure, je crois qu'il était 1h15, un truc comme ça. Et puis, j'ai été faire dodo ce matin, je me suis levée, je me suis tout de suite mis en cuisine parce que aujourd'hui, c'est du veau... Je sais jamais comment on dit, du veau meringo. Vous savez, avec la sauce tomatée, vin blanc et compagnie, là. Donc, j'ai fait ça tout de suite parce que c'est un plat mijoté, mais du coup, pour que ça mijote, il faut le faire tout de suite, n'est-ce pas? Donc j'ai fait ça, j'ai préparé une pâle parce qu'il y a l'ami Candy Shai qui fait le challenge cocooning automnal, donc j'ai préparé ma pâle, je vais y participer parce que c'est Candy Shai, donc voilà. Et puis, voilà, il est midi. Là, il reste un bon 40 minutes avant que je doive terminer... le plat, je vais en profiter pour transférer la vidéo de demain sur le PC, parce que pour le moment, elle est toujours dans la tablette, c'est le book haul. Je vais m'occuper de monter le book haul et de faire la miniature, comme ça, demain, je suis tranquille, puisque demain, j'aurai un peu de boulot pour la maison, et demain, c'est la rentrée sur Insta, donc bah, je vais faire des Insta stories. Mais mine de rien, les Insta Stories, ça prend quand même toujours un peu de temps aussi. Donc voilà, je devrais déjà plus penser à la vidéo. Et puis après, ben, il sera l'heure de manger. Je pense qu'après manger, je vais colorier un petit peu. Je vais continuer mon coloriage Harry Potter. Et après-midi, ça sera un peu lecture. Il faut que j'avance dans Drive Me to Love. Et puis aujourd'hui, c'était le début du mois de la BD. Donc on va lire 2-3 BD. Hein. Bah ouais, ah ah. Et puis au milieu de tout ça, il y aura sûrement une sieste comme d'habitude, etc. Mais de toute façon, pour tout ça, je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve, il est 17h. Déjà, oui, la journée passe à une vitesse folle comme d'habitude. Il faut dire que ça passe toujours vite quand on s'amuse. Et là, je m'amuse, donc forcément, ça passe très vite. Je vous retrouve pour vous donner un petit peu des nouvelles comme d'habitude. Comme prévu, j'ai mangé. C'était bien bon. Voilà, mais bon, vous connaissez tous le veau maringo. Je pense que c'est ça. J'ai pas mangé beaucoup parce que, ben, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, quand c'est à la tomate, je fais attention parce que je ne digère pas super bien la tomate. Mais j'ai pu quand même manger un petit peu et ça m'a bien plus. Et après avoir mangé, eh bien, je me suis mis au coloriage. Là, je viens de colorier 2h30. Je me suis mis à colorier vers 2h30, les 5h, donc 2h30. Bon, il était peut-être 2h20 quand je m'y suis mis, mais bon, bref, ça vient pas à 10 minutes. Et j'ai avancé un petit peu sur mon coloriage, j'ai pas fait énormément, mais je dois avouer que j'ai pas été super concentré. J'ai mis un reportage en même temps que je coloriais sur Courchevel, et c'est un reportage, vous savez, où on suit les hommes et les femmes fortunés et compagnie, et je dois avouer que j'ai été parfois un petit peu déconcentré, parce que bah, ça fait toujours rêver, ceux qui sont riches, le luxe, les grands palaces et compagnie, hein, voilà, donc je me suis laissé un petit peu distraire, j'ai discuté un peu avec Jérôme, avec Gaël, enfin avec les copains, quoi. Voilà, j'ai pas été super assidu, mais j'ai avancé un petit peu et j'ai passé une super après-midi, et c'est le principal. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. En plus de l'autre fois, ce que j'ai fait, c'est le mur ici. Donc j'ai utilisé du noir, du gris, du vert et du je ne sais pas quoi. C'est quoi ça? Du wheat. C'est pas du blanc, mais c'est W-H-E-A-T. Ça donne ça, je trouve que ça donne bien le vert comme ça pour faire le mur en béton mouillé d'un cachot, je trouvais que ça allait bien. J'ai fait la petite lampe ici, j'ai fait le mur en briques là,
J'ai fait la poutrelle ici, j'ai fait le petit mur ici, j'ai fait la lampe ici, j'ai fait le mur là et j'ai fait les miroirs. Donc voilà ce que ça donne après 2h30 aujourd'hui, 2h de l'autre côté, après 4h30 de travail, ça donne ça. Voilà, voilà. Je suis plutôt content de moi, je trouve que ça donne bien. Et je pense que quand il sera fini, il sera très joli, en espérant que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Les lectures, j'ai aussi commencé, lu une première BD, j'ai lu L'Homme Montagne aux éditions Delcourt Jeunesse. Je ne vais pas vous donner de détails sur cette lecture ici, parce que je prévois une vidéo update BD sur le mois de la BD tous les dimanches, donc vous aurez mon avis dimanche prochain. Mais je voulais absolument vous le montrer dans ce vlog-ci parce que ça a été un coup de cœur. Et donc, je voulais absolument vous le montrer et vous dire que c'est un coup de cœur en espérant que ça vous... que ça réveille votre curiosité pour que vous alliez voir plus en détail et que, pourquoi pas, ça vous donne envie de le lire. Je vous montre juste un peu les dessins. Voilà à quoi ça ressemble. C'était génial, donc je vous la conseille fortement. Là, je vais arrêter de colorier. Tout d'abord parce que j'en ai marre. Voilà, après 2h30, je pense qu'il est bon. Je vais aller lire une deuxième BD. Je vais lire Green Glass parce que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai envie de lire cette BD là. Et maintenant que c'est le mois de la BD, je vais me faire un plaisir. Après, je m'occuperai de ranger un petit peu mon bureau parce que c'est le bordel, même si je ne sais pas si j'aurai le courage. On verra. Et après ça, on rentrera tout doucement dans la soirée. Voilà les amis. Je vais vous laisser et je vous retrouverai tout à l'heure. Je pense que je ne vais pas ranger mon bureau parce qu'il y a tous les crayons que j'ai utilisés. Et j'aimerais bien, je les ai mis par tas. Ça c'est pour faire les murs, ça c'est pour faire les briques, ça c'est pour faire les poutres. Donc je crois que je vais tout laisser comme ça je sais quel crayon j'ai utilisé. Et tant que j'ai pas fini le coloriage, je vais les laisser comme ça. Comme ça je m'en sors et je sais quel crayon et pourquoi. Bref, allez, je vous laisse, je vais lire ma petite BD. Et je vous retrouve. Hey les amis, je vous retrouve, il est 19h30 et ça y est, cette fois-ci, ça y est. Je vous retrouve pour la dernière fois. De ce vlog pour la dernière fois aujourd'hui, pour la dernière fois de l'été. C'est le dernier tout petit bout de ces summer vlogs. Voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. J'ai lu comme prévu la BD Green Glass que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé aussi. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai plus en détail dans un update BD à retrouver dimanche. Mais je dis dimanche, mais ça c'est ridicule puisque elle sera en ligne depuis. Elle sera déjà en ligne au moment où vous voyez ce vlog. Ça fait tilt seulement maintenant. Bref. Voilà, que vous dire d'autre, là je vais aller me doucher et compagnie et puis je vais m'installer et je vais lire Drive Me to Love, ça serait bien si j'arrivais à le finir, je sais pas si c'est faisable et si je vais y arriver, mais ça serait cool si c'était le cas et puis peut-être lire une petite BD, un truc comme ça, mais bon j'en ai déjà lu deux donc c'est pas mal pour ce mois de la BD, n'est-ce pas? Je vous avoue que je suis un peu nostalgique parce que j'ai adoré faire les vlogs pendant tout l'été, mais en même temps je sais que ça ne me plairait pas de continuer tout l'automne, etc. Donc vaut mieux s'arrêter tant qu'on n'en a pas marre que de s'arrêter au moment où on en a marre, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que vous avez pris un bon plaisir à me suivre pendant tout cet été. Je vous remercie bien, bien fort parce que tous les vlogs ont fait plus de 1000 vues. Il y en a certains qui sont à 1300 vues, etc. J'ai jamais eu autant de vues sur un vlog, sur des vlogs. Je vous remercie bien, bien fort. Ça m'a énormément encouragé. J'ai adoré passer tous ces moments avec vous. J'ai adoré partager avec vous toutes mes lectures, mes coloriages et compagnie. C'était vraiment, vraiment très cool. On a dépassé les 2000 abonnés cet été. On a vécu ça ensemble et tout. Donc,
Donc voilà, c'était une super expérience. Je vous laisse pas sans rien non plus. Ne vous inquiétez pas, il y a 15 vidéos prévues au mois de septembre. Il y en a déjà 11 de prévues au mois d'octobre. Tout ça sans compter les projets qui sont en route, etc. Vous aurez des vlogs pour les week-ends 3 en 4. Vous aurez des vlogs pour les week-ends à 1000. On n'est pas si loin de Noël. Vous aurez les vlogs masse et compagnie. Donc voilà, à très vite pour de nouvelles choses, les amis. Et encore merci pour toutes vos vues, pour vos présences, pour vos commentaires tout au long de l'été. Ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Du coup, je clôture là, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.